Depuis le déploiement de la campagne vaccinale et l'instauration du pass sanitaire en France, les Français sont partagés en deux camps, les anti-vaccins et les pro-vaccins. Et certaines stars de télé-réalité ne se privent pas pour dire tout haut ce qu'elles pensent. C'est notamment le cas de Kim Claude qui n'hésite jamais à partager ses pensées délirantes sur le sujet. Elle a d'ailleurs choisi de passer ses vacances en Grèce, où elle affirme sur Instagram, le port du masque n'est pas obligatoire dans tous les espaces clos. Mais de son côté, Jessica Hyman ne voulait pas entrer dans ce débat houleux. Mais ce lundi 2 août, la jeune maman a voulu transmettre un message sensibilisant les Français à l'importance du respect des gestes barrières, même pour les personnes vaccinées. En story, sur Instagram, elle écrit en légende d'un écran montrant la courbe ascendante de personnes positives à la Covid-19, alerte en Occitanie. Les Toulousains. On ne relâche pas niveau gestes barrières. Le vaccin ne protège pas de la transmission, a-t-elle indiqué, précisant alors qu'il ne s'agissait pas d'un message anti-vaccin. Et pourtant, le message envoyé par la jeune femme a été perçu comme tel par une soignante. Jessica a partagé un message reçu sur Instagram, « Quelle inconscience ce message, vous n'avez pas le droit d'écrire ça. Le vaccin ne protège pas des transmissions, ça on le sait depuis le début, ce n'est pas un scoop mais il diminue très fortement la transmission. Une personne vaccinée est moins contagieuse qu'une personne non vaccinée. Et c'est une soignante qui vous parle. Si vous avez un minimum de respect pour les soignants, arrêtez de parler de choses que vous ne connaissez pas. » Peut-on lire dans cette missive? Des accusations auxquelles Jessica Hyman a réagi avec la verve qu'on lui connaît. Arrêtez avec vos pro-anti-vaccins. Je ne rentrerai pas dans ce débat car c'est personnel. Je vous invite simplement à ne pas relâcher vos gestes barrières. Le vaccin diminue mais n'arrête pas la transmission à 100%. Rappelle-t-elle, encore. Et pour ceux qui auraient davantage de questions, Emmanuel Macron est à votre écoute sur TikTok.